Art is not what you see, but what you make others see. Edouard Douglas. The history of art exists since the ancient time whereby cavemen used it as a means of communication. Art revolves around the imagination of individuals for a visual medium for aesthetic and creative purposes, and in our case, paintings. Art connects people from all over the world with different cultural backgrounds, disregard of the period of time, for it is immortal. In this sense, the mesmerizing culture of Mauritius will be demonstrated through the paintings of Pascal Lages, a famous local artist. His works display Mauritian culture at its best, from people he met throughout his life, artists who inspire him, wildlife, tropical lifestyle, the beautiful coast and beaches, wonderful sceneries among many others. Alors j'ai commencé la peinture à l'école comme tout le monde. Mais allons dire qu'à l'école, surtout à mon époque, la peinture c'était simplement, ils appelaient ça des imaginative paintings. Il fallait faire des tableaux sur A4 ou A3, je ne me souviens plus. Et puis ça, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Franz Staub et qui un jour m'a dit, je devais avoir 17 ans, il m'a dit, mais tu veux pas venir peindre à l'huile? Donc il me dit de venir et il a un groupe qui peint les samedis. C'était avec Roger Charroux, Yves David, Serge Constantin. Et là, à partir de là, ben, le goût de la peinture est arrivé. Je passe la plupart du temps dans mon atelier où, bien sûr, je fais la peinture, mais c'est ici aussi que je fais toute ma photo et souvent j'écris aussi ici. C'est un endroit tranquille où je me sens bien. Je sais pas, il y a des endroits dans la maison où il y a plus d'inspiration que d'autres. Je crois qu'au départ, dans la peinture ou dans n'importe quoi que vous faites, vous commencez un peu par copier tout ce qui existe autour. Pour moi, Van Gogh a été une personne qui m'a beaucoup influencé, Roger Charroux. Donc vous commencez à chercher un peu votre marque. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le style que vous voyez derrière moi, les affaires comme j'appelle, c'est un style que j'ai commencé à développer en 2003. Et à partir de là, j'ai vraiment, allons dire, pris beaucoup de plaisir à faire ce genre de tableau très naïf avec des formes géométriques, etc. Mais je crois que c'est beaucoup dû à un hasard aussi que j'ai trouvé ça. Le paysage mauricien m'inspire énormément, Maurice m'inspire. J'ai toujours été emballé par tout ce que je vois autour de moi. On a une île absolument magnifique. Et les paysages m'ont toujours, allons dire, beaucoup plus touché que de la peinture, je dirais, plus ou moins abstraite ou avec un message, allons dire, existentiel ou politique. Moi, c'est beaucoup plus la beauté du pays que je veux montrer dans mes tableaux. Et avec ce style affaire, j'ai gardé la perspective qu'on trouve dans des tableaux plus ou moins classiques. Et j'ai ajouté les couleurs et les formes géométriques dans un tableau qui a tout pour être un tableau classique au départ.